Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour découvrir un nouveau son, le son i, le i de fille, qui s'écrit avec un i et deux l. Pour commencer, vous aurez besoin de votre manuel pilotis à la page 122 et 123, ainsi que d'une ardoise ou d'une feuille de brouillon. Je vous invite à regarder la page 122 du fichier avec la maison du i de fille. Comme à notre habitude, on va regarder chaque mot dans la maison et indiquer toutes les lettres qui chantent i. Une béquille, le i de zèle. Une cuillère, le i deux L, etc. Vous allez faire ça sur tous les mots de la page 122. Je vous laisse faire pause sur la vidéo et reprendre l'activité ensuite. Une fois que vous avez fait ça, on va faire un petit peu de lexique. Vous allez bien, je vais vous donner la définition d'un mot de la maison du I. À vous de trouver de quel mot il s'agit. C'est un animal sauvage, c'est un grand singe d'Afrique. C'est un insecte. Le mâle chante en grésillant. C'est une plante, elle donne des fleurs jaunes au printemps. C'est une action. C'est le contraire de se déshabiller. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons revoir ensemble l'écriture du i du i. Alors, sur notre ardoise ou sur notre feuille de brouillon, on n'oublie pas de faire les deux interlignes s'il n'y en a pas. Et nous allons commencer l'écriture du I et du D2L. On commence par le I, on descend bien tout droit pour faire une canne. On monte la boucle. On descend tout droit pour faire une canne, on remonte encore faire une boucle. Je descends tout droit pour faire une canne et enfin je mets le i, le point sur le i. Vous allez pouvoir faire pause sur la vidéo et vous entraîner à faire ces trois lettres-là. Une fois que vous avez fait ces trois lettres, je vais vous demandez de prendre votre manuel à la page 123 et de lire les syllabes qui sont là-haut. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et reprendre ensuite quand vous avez terminé. Une fois que vous avez lu ces syllabes, vous allez écrire sur votre ardoise nille, dille, bille, ville, guille. Attention, pour écrire guille, je suis obligée de prendre le G de guitare. Pille. Brille. Une fois cette dictée faite, vous allez pouvoir faire « Je manipule des sons ». Il s'agit de nommer le premier mot, puis de trouver quel son on enlève à ce premier mot pour pouvoir trouver le suivant. Vous devez faire ça avec tous les mots qui sont ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir lire
les mots de la page 123. Faire pause sur la vidéo, puis reprendre la vidéo après la lecture. Une fois cette lecture de mots faite, vous allez pouvoir écrire sur votre ardoise une chenille, les billes, un papillon, la cheville, une fille, voilà. Une fois que vous avez fait toute cette dictée, eh bien, la séance d'aujourd'hui est terminée. À bientôt.